Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau Let's Play choisi par Shadow 2009 que je remercie vraiment. Hein. Merci Shadow pour ton choix de jeu. Vous le voyez, il s'agit de Resident Evil 4 Remake sur PlayStation 5, un jeu que j'avais absolument envie de faire et que du coup, ben, je vais pouvoir vous le proposer sur ma chaîne. Pour être honnête avec vous et pour éviter d'être ridicule, j'ai joué en off le premier chapitre pour histoire de me familiariser un petit peu avec, avec le gameplay, voir si ça avait changé. Et effectivement, il y a pas mal de petits trucs qui ont été améliorés. Et la difficulté a, selon moi, été quand même revue à la hausse par rapport à la version originale que je maîtrisais vraiment, vraiment très bien. Donc, bah, c'est bien d'un côté parce que je ne serai pas trop confiant. Voilà, on va dire que ça sera vraiment une découverte pour moi également. Et voilà, ça annonce quand même un bon let's play en perspective. En tout cas, c'est ce que j'espère. Merci à toutes les personnes qui suivront ce let's play. Merci, comme j'aime le dire, pour votre fidélité. Ça fait extrêmement plaisir. Et comme toujours, le but du truc, c'est surtout que vous passiez un bon moment en visionnant mes vidéos. Et à chaque fois que je termine une vidéo, c'est ce que je m'efforce de faire au mieux pour que ce soit le cas. Je terminerai en vous précisant que je vais parcourir, comme tous les survival horror de ma chaîne, le jeu dans le noir avec le casque sur la tête. Histoire de vivre l'expérience au maximum, hein. C'est pas tous les jours qu'un très bon Resident Evil sort. Donc autant vivre l'expérience du mieux possible. Et donc bah, c'est parti. Hein. Hop. Alors, juste je vais regarder les options pour l'audio. Ouais, ça m'a gardé un petit peu ce que j'avais mis. J'avais peur de. Ouais, je crois que la voix, je peux l'augmenter d'un cran. Voilà. Toc. Ouais, j'avais peur qu'en fait que le son il soit. Que vous entendiez trop ma voix et pas le jeu. Ou vice versa. Bon, s'il y a des petits réglages à faire, on les fera à partir de la deuxième vidéo. Allez, sans plus tarder, on envoie, on se plonge dans le cauchemar de l'histoire principale. Donc du coup, bah, nouvelle partie. Alors, pour les joueurs qui n'ont jamais joué à Resident Evil 4. Bah. Aux joueurs qui ont déjà joué, les ennemis sont plus forts, des défis plus difficiles. Non, non, non. On va rester en mode standard. Hein. Déjà en mode standard, vous allez voir la différence quand même. Allez, je vous laisse l'intro. Septembre 1998. Une date gravée à jamais. Le flic en moi est mort ce jour-là. Cette nuit-là, Raccoon City a été détruite à cause des armes biologiques créées par Umbrella. J'ai réussi à m'en sortir, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Ensuite, on m'a demandé de rejoindre un programme gouvernemental top secret. C'est pas comme si j'avais eu le choix. L'entraînement, les missions éprouvantes ont presque ma peau. Mais au moins, ça m'a permis de penser à autre chose. Si seulement je pouvais oublier cette nuit-là, la douleur, ne serait-ce qu'une seconde. Cette fois, ce sera différent. Il le faut. Alors, Yankee, qu'est-ce qui t'amène dans un endroit pareil? Tu sais, c'est le trou du cul du monde ici. Disons que je cherche quelqu'un. Ça doit être quelqu'un de très important, hein?
Les ordres viennent du chef en personne. Aidez-le, il a dit. Bah, j'ai bien compris que vous aviez pas fait tout ce chemin pour faire un barbecue. Je me trompe. T'as un drôle de sens de l'humour, toi. Je vais te confier un petit secret. Et ça reste entre nous. Il y a pas mal de disparitions dans le coin. Et ça fait un bon moment que ça dure. Bah alors, j'imagine que pour vous, ça devrait être la routine, non ? Pas plus tard que la semaine dernière, on a dû rechercher des randonneurs. Je suis certain que vous ferez tout ce qu'il faut pour m'aider. Bon, je crois qu'on y est. Besoin naturel. Je reviens tout de suite. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Cigarette? Vaya sitio más tétrico. Eh ben dis donc, il a mis du temps. Il est tombé ou quoi? Eh, dis-moi, ça te dérangerait pas d'aller voir ce qu'il fait? Je reste dans la voiture. Ce serait dommage de prendre une amende. Putain, tu pars d'une aide. Bon, inutile de vous dire quand même que le jeu a bien changé. Hein. Il est magnifique. Et ça, je pourrais vous le dire des centaines de fois. Enfin, un vrai jeu PlayStation 5. Hein. Parce que là, il y en a d'autres évidemment. Hein, mais lui, c'est vraiment le premier jeu PS5 avec des graphismes PS5. Quoi. Alors, il faut que je me rappelle un peu des boutons, parce que même si j'ai fait le chapitre 1, c'était il y a quand même quelques temps de ça déjà. Ouais, j'ai vraiment fait que le chapitre 1, hein. C'est vraiment... Je me suis dit, allez, hein. Découvrons-le tous ensemble. Y a quelqu'un ? Je crois qu'il y avait un truc à... Ah, et ça. Le jugement approche. Bon. Je sais pas si c'est important ou pas, mais vu que ça marque document obtenu en haut, j'ai préféré récupérer. Je crois qu'il y a un autre truc dans le même style. Un peu plus loin. Désolé d'être entré comme ça.
Marco a un policía. Vino aquí. Bon, on récupère la clé de la cave. C'est la merde. Ouais. Bah, si vous préférez, hein. Ah voilà, c'est ça. Alors. Ah, depuis qu'ils ont mis ce... ce style d'ouverture de porte, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Ah, moi je parle pas espagnol. Depuis qu'ils ont mis ce système là, depuis Resident Evil 2 Remake, je trouve que c'est cool comme façon d'ouvrir les portes. Alors. J'écoute. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Bon, je voulais le fouiller pour voir s'il y avait des balles, mais... Alors, sortir de la maison. Mais c'est pas vrai ça. Vous voyez, quand je vous dis que le jeu il est quand même il lui a fallu 6 balles pour mourir, dont 3 dans la tête, hein. Voilà. De toute manière on va galérer, hein, ça c'est sûr, hein. La fille du président, Eglon, elle est sûrement dans ce village. Nos infos étaient correctes. Bon boulot. Il me faut l'itinéraire vers un lac. On l'a peut-être emmené là-bas. Compris. Dépêche-toi. Quelque chose est arrivé aux gens d'ici. On escorte. Il faut que j'y aille, je te rappelle. Ok, je me casse. Franchement, si on est fan de Resident Evil 4, je vois pas comment on pourrait ne pas aimer ce jeu. Hein. C'est... Enfin. Allez, alors, c'est parti. Hop, alors, c'est vrai que ça fait quand même un petit moment, hein, depuis la fois où j'ai fini le chapitre 1. Donc, on va essayer
peut pas trop se faire surprendre. On peut toujours buter les animaux, il me semble. Alors, Resident Evil 4 avait la particularité d'être presque un RPG en début de partie. Ah, poudre noire. Dans le sens où vous pouvez récupérer tout ce que les animaux... de nombreux œufs, des poissons... vous pouvez tuer les oiseaux pour gagner des sous, des objets... Fallait pas hésiter à faire des allers-retours entre les écrans pour récupérer des choses. On va voir si c'est possible pour celui-ci aussi. Alors, poudre noire. Donc la poudre noire, c'est pour créer des balles, hein, si ça n'a pas changé. Bon, j'ai pas buté tous les oiseaux, peu cher. Hop. Surtout que... J'ai besoin de... Ah ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je trouve le loup là aussi. Je sais pas s'il y a encore, mais je pense que oui. Ça c'est bon. Je croyais que ça avait bougé. Ah, je suis pas fou. Ça avait bien bougé. Alors, attendez. Ça doit résonner, hein, une balle dans la tête. Putain, je vois rien avec les herbes. Oula, il y en a un qui parle. Ah ouais, d'accord. Alors, des fois le problème c'est qu'à trop... Oh, c'est quoi ça? Ok. Des fois à trop vouloir toucher la tête, ben, vous ratez l'ennemi et du coup vous prenez un sacré coup en contre. Moi je vous le dis, hein. Ça m'est arrivé. Bon là pour moi, vu qu'ils sont assez isolés, je peux me permettre de viser les têtes, mais... Après ça va... Oh putain, je l'ai même pas vu. Ça va clairement changer, ça m'a enlevé de la vie. Non, on dirait que non. Là, normalement, il y en a un, là. Ouais, voilà. Ok. Bon, on va essayer de la... De bien jouer, hein, je vous promets rien. Ok, changer d'arme. Bon. Voilà, c'est vraiment le gameplay du 2. Hein. Tant mieux. Ah, le remake du 2, absolument fantastique. Bon. Ah, c'est le masque. Bon, vous savez où on arrive. Vous savez ce qui m'attend, ce qui nous attend même. Hein, allez, hein, vous savez ce qui nous attend, ça va être costaud. Bon, la première fois, j'ai réussi du premier coup. Espérons que j'y arrive. Maintenant que je me filme. Donc là, vous allez voir une amélioration de gameplay. C'est la possibilité
dégorger un ennemi quand vous arrivez derrière lui. Ça, c'est vraiment génial. Hein. Parce qu'on a dû faire du bruit. Ça y est, je me suis fait repérer. Ok, allez, bah, il va falloir survivre. Hop. Là, c'est impro total. Hein. Il n'y a pas de stratégie. Alors oui, fait, je sais pas si c'est toujours valable, mais... Vous avez celle du temps, hein, qui consiste à tenir un certain nombre de temps. Ou d'éliminer un certain nombre d'ennemis, donc là... Je suppose qu'on va... taper plutôt sur le temps, moi. Ouais, ça c'est fait... Oh bien, une grenade, tiens, c'est rare, ça. Même dans la version... À moins que dans la version remake, ils aient mis une grenade à chaque fois, mais... Ça. Essayez de monter. Personne. Ah ouais. Eh bah putain. Allez, pour le moment, on n'est pas trop mal. On va pas s'approcher trop du bord, sinon là, ça va nous... Oula. Voilà. On est dégagé. Recharger. Putain. Putain de fois. Bon. Putain, mais ils sont vraiment nombreux. Hein. Ouh. Ok. Mauvais choix. Hop, ça va en tirer le coup. Okay. Putain, j'aimerais bien récupérer les ressources. Qu'est-ce qui se passe là? Pas monter là. Ouf. On monte. Oh, il y a une vache en feu, putain, mais je vois des trucs de fou. Hein. Non, mais il meurt jamais en fait, pas possible. C'est plus chaud cette merde. Hein. Il faudrait une grenade là.
Merci pour ton œuf. Ah. Une vache en feu, j'aurais vu de tout. Ah, une mode. Je suis avec mon pote là, regarde-leur. Ouf. Eh ben putain. C'était intense. Je suis pas invité. Où est-ce qu'ils vont tous? Il y a une fête. Bon ben voilà, on a quand même réussi, je suis content parce que c'est vraiment un passage délicat du jeu. Condor 1, j'ai un accès au lac. Cherche un grand moulin avant, il y a un chemin de l'autre côté. Un moulin, c'est noté. Sois prudent, terminé. En plus je sais pas, la vache elle a pris feu. Des trucs de fou, des trucs de fou, alors je sais pas si c'est normal, bah je pense que oui. Hein. Je prends. Alors, on essaie de récupérer tout ce qu'on peut. Est-ce qu'il y a autre chose? Avant, il y avait une herbe jaune. Ah bah, elle est devenue rouge. Bon, quand même. Hein. Hop, hop, hop. Poudre noire. Alors je fouille un petit peu, à l'espoir de récupérer le maximum de ressources possible. Encore une fois, ce jeu a la particularité de proposer des éléments aléatoires à chaque fois. Putain, il y avait une grenade là. Ah, ici c'est bon. Je vais voir là. Ah, ils ont raccourci l'échelle. Hein. Avant, l'échelle a duré 2 heures. Allez, ok. Oh putain, j'ai. D'accord. Je crois que la première fois que j'avais oublié de récupérer l'objet de la tour, parce que je me rappelle pas être tombé comme ça. Donc, ici. Des sous pour rappel, l'argent va nous servir à améliorer et acheter de nouvelles armes comme dans les RPG ou Dino Crisis 2. Hop. Un rubis, c'est bien, j'ai l'émeraude, le rubis. Je suis allé là, non. Les balles. On va vite fait faire un dernier petit tour. Toujours espoir aussi qu'il y ait une poule qui me lâche un objet. Allez. Bon. Donc là, je pouvais pas. Je vais déjà reverrouiller. Un trou dans le mur. Ah oui, je crois que j'avais regardé. Là, il va me falloir, je pense, Ashley. Envoyer au logo. Tac tac tac.
Bah, je crois que c'est bon là. On a tout visité hein, là. Là, c'est fait. Ah, là, j'ai pas fait. Bon, de la ferraille. Et on dirait. Ah, ah, ben, on peut sortir par là. D'accord. Ok. Bon, allez, on va pouvoir poursuivre l'histoire. Ah, enjambé. D'accord. Bon, le jeu est un peu moins rigide que par le passé. Hein. Le fait de pouvoir enjamber. Ces gens sont tarés. Un peu les obstacles, ouais. Putain, ça, je te fais pas dire. Ah, et dedans, j'ai tout pris. Parce que j'étais un peu pressé par le temps. Bon, on dirait que ouais, j'ai rien. Toc, toc, toc. Bon, allez, ça va. Alors, il faut aller. Oh, ah ben voilà, j'ai été récompensé. J'ai gagné un autre œuf. Voilà, il n'y a pas de d'écran de chargement. Hein. Là, ça suit direct. Voilà. Alors ici, il va falloir bien jouer. De partout, il va falloir bien jouer, évidemment, mais. Mais il y a moyen de. De bien jouer ici. Je connais pas l'emplacement de tous les ennemis, mais je sais qu'il y en a un là-bas, celui qu'on vient de tuer, et un ici. Tant qu'à faire, faisons propre. Après on fouillera. Je pense, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais ici, voilà, il y a déjà la quête des médaillons bleus, hein, vous savez. Quand on les trouve en tous, on obtient... Oh. On obtient bah, une nouvelle arme. Ah putain, il y en a là. Ok. Je regarde s'il y a d'autres ennemis. Voilà, ok. Bon, on fouillera dans son intégralité la zone. Parce qu'on aura résolu, on va dire, un petit peu le... L'obstacle. Qui nous empêche d'aller à la zone suivante. Je le marque sur la... Donc là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on ouvre cette grille. Pour cela, il va falloir passer par là. Voilà pourquoi j'ai fait le premier chapitre. C'était vraiment... Je voulais pas être... ridicule. Voilà. Par contre, à partir du chapitre 2, ça sera vraiment à l'instinct. Herbe jaune, d'accord. Bon, on verra après. Là, contrairement au 4, c'est vrai que je recharge mes armes. Dans Resident Evil 4 original, je l'ai rechargé le moins possible pour pouvoir utiliser la petite astuce du jeu qui consiste en fait à aller voir le vendeur et à lui demander une amélioration du nombre de cartouches qu'on... Et donc ça vous faisait un chargeur gratuit.
Bon, c'est une astuce bien connue des joueurs de Resident Evil 4. Hein. Alors. Hop. Voilà, excusez-moi, petit problème de de manette. Donc, hop, je verrai si je peux supprimer ces quelques secondes. Parce que je vous posterai la vidéo. Bref, alors, revenons au jeu. Pistolet. Oula, j'avais oublié ce détail. La vache. Voilà, lui il va falloir le calmer le plus possible. Là il est mort. Oula. Vous voyez pourquoi il fallait pas descendre ou du moins rester en bas. On va finir par crever là. Merde. C'est bon? Je vois pas. Hein. Je vois pas, tiens mais. Eh bien. On a un petit peu morflé, je crois. Je sais plus si on a pris des coups. Bon, mais maintenant qu'on a fait cette étape-là, il est temps de fouiller toute la zone et de récupérer tout ce qu'il est possible de récupérer. Et de croiser les doigts pour que pour qu'il lâche des œufs. Alors. Il n'y a rien. Ah ouais, là, j'avais capté ça la dernière fois. J'en étais... Ah merde, ah ouais, parce qu'il est tombé dedans, putain. Ouais, j'y avais pas pensé. Tant pis. Il lâche pas deux. Allez, bon. Ah ouais. Non. Je sais plus où j'ai le cinquième médaillon.
5e médaillon. Pour l'amour du ciel, quelqu'un peut-il nous débarrasser des médaillons bleus que ces fanatiques ont accrochés partout? Requête, détruire tous les médaillons bleus. Voilà. J'en ai fait 4 sur 5. Le 5e. Ah bah, il est devant moi. Ah bah, voilà. C'est fait. Bon, ben, je pense qu'on peut continuer. Hein. Toc, toc, toc. Je vérifie une dernière fois. S'ils n'ont pas pondu. On dirait que non. Bon. Allez. Donc là, on a récupéré un rouage, un peu comme dans Resident Evil 2 Remake, mais en version plus soft. Hop, et hop. Non, ça va, pour moi, ça va. Moi, ce qui me faisait le plus peur, évidemment, c'était le village, quoi, enfin, la tronçonneuse. Même en maîtrisant bien le jeu, vous n'êtes pas à l'abri d'une erreur qui vous soit fatale, puisque si c'est comme l'autre version, il vous tue un coup. Allez alors, voyons un peu ce qui nous attend ici. Je ne me rappelle plus. Hein. Alors, commençons déjà par se ravitailler. Fusil à pompe, ferraille. Fermé, ok. J'ai jamais fait gaffe à ça. Je sais pas si ça y était dans l'autre. Hop. Y a rien d'autre. Là, je vais un peu vite. Un peu vite. Après, on va dire que je vais à l'évident, quoi. C'est-à-dire, je vois une caisse, je vais la péter. Et après, il y a des secrets. J'avoue que, vous savez, des diamants dans les montagnes, tout ça. J'avoue que je vais pas tous les trouver. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui nous attend là? Un forastero. Il est mort? Je pensais pas. Oh putain! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, d'accord, ok. Elle est énervée, la dame. Pas trop s'approcher. Voilà. Chauve-souris.
Ah ouais, putain, je m'en souviens. Oula. C'est bon. Bon. Je vais les laisser venir, hein. Ça vient de tous les côtés, à mon avis. Je me rappelle plus. C'est quoi ça? Il s'est fait prendre à son propre piège. Excellent. Très très bonne idée de la part des mecs qui ont fait le jeu. Faire en sorte qu'ils puissent se prendre leur propre piège. Alors ça vraiment... Oula, ça saute et tout. Ah ouais, putain, il y a du monde là. Putain, c'est pas vrai ça. Ah. Dire que s'ils pouvaient crever aussi avec toutes les balles que je leur ai mis, ces enfoirés. Où vous croyez aller? Vous croyez que je vais vous laisser partir? Putain, j'ai pas vraiment été au top là. Ouais, j'ai une herbe jaune, hein. Autant l'utiliser. Hein. Oh, ça me soigne en plus. Ça augmente ma vie maximale. Où tu vas, toi? Où tu vas? Putain, il est rapide. Hein, bon, je sais pas ce qui se passe, mais j'entends le petit bruit de la mèche qui des dynamites. Apparemment, il y a quelqu'un en l'air qui envoie des bombes, puisque lui, il avait une hache. Par là. Bon, on va faire le tour. Si c'est possible. Ah. Quatre ou cinq balles par chaque ennemi, sans que ça va me coûter cher cette histoire. Je comprends maintenant, bah en fait c'est un peu logique, parce que si vous mettez de la poudre noire, c'est pour fabriquer des balles, et avant avec oui, il y a une explosion là, avec quelques balles vous pouviez éliminer un grand groupe d'ennemis. Je sais, ah d'accord. C'est sur le toit. Alors attendez, avant de fouiller, il faut que j'élimine celle qui m'envoie des grenades. Si je la voyais. Bon, si elle arrive à envoyer là, c'est qu'elle est par là. D'accord. D'accord, maintenant je la vois. Allez. Oh putain, c'est pas vrai, oh. Fallait me mettre un piège à loup. Là.
Voilà. C'est bon. Bon. Alors, on va essayer de pas trop s'éterniser. On va pas être loin de l'heure de vidéo. Encore une fois, j'espère que ça vous plaît. Hein. Vous voyez que je maîtrise pas à la perfection le jeu. Mais que je suis plutôt bon pour désamorcer tous les pièges à loups de la forêt. Ça marche toujours, en fait, ça, par curiosité. Ouais, ça marche toujours. Okay. Non, on va y arriver. Hein. Oula. Voilà. Alors, j'entends la musique. Est-ce que c'est parce qu'il y a un autre ennemi ou... Oui. Je confirme. Alors, il est où l'enfoiré, là? Ah, il est là. Tu l'allumes plus, du coup? Ah. Y'a rien, là? Y'a rien. Ok. Quoi ça? Pff, putain, il me rend de fou avec ces trucs là. Hop, on peut pas. Là on vient. Ici, il n'y a rien. Hop. Bon, il n'y a rien non plus. Bon, il faut passer là. Je m'en souviens c'est plus. Ah, bah la porte. D'accord. Hop. Ah, oh, ok. Pas des explosifs, putain. Allez, ça va, désamorce là, putain, tu es dedans. Eh ben. Et ouais, du coup, beaucoup plus de balles pour éliminer les ennemis, donc on vous donne la possibilité d'avoir plus de balles avec la poudre noire. Et là, on arrive proche de la fin du chapitre 1, puisque je me souviens que je m'étais arrêté là et que j'ai pas vu la suite. Ah, ok, lui c'est bon. Putain, grenade, je crois que c'est vraiment le truc qui va me servir le plus dans le jeu. Désolé, t'avais l'air d'avoir très envie de parler. Perspicace, Seigneur. Et t'as pas une clé? Eh non, je tiens à ma santé. Ah, ok. Tu peux me détacher au moins? Oh mais, manquez plus que lui! Vous êtes qui? Restez où vous êtes!
Et voilà, ça marque la fin du chapitre 1. 43 ennemis tués. Bon. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de voir la suite. En tout cas, moi, ça me donne envie de faire la suite, hein, puisque ça y est, hein, je me suis remis à Resident Evil 4 Remake. Et là, je suis déterminé à vous proposer le meilleur let's play possible. Je fais pas durer la vidéo plus longtemps. Encore une fois, merci à Shadow2009 pour avoir proposé le jeu. Merci à tous de suivre ce let's play. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me donner des conseils, à me dire ce que vous pensez du jeu sans me spoil, si possible, sans me spoiler. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.